C'est votre frère Massanta, Benito, Benito de Massanta. Voilà. Alala Hina, Jena Salibala, Alamaya Falama. Nous prions le Tout-Puissant Allah qu'il le pardonne et qu'il l'accepte dans son paradis éternel. Et je profite de l'occasion pour présenter toutes mes condoléances à l'armée guinéenne, à toute l'armée guinéenne. Et je prie le Tout-Puissant Allah que cet acte qui est arrivé à Sadiba soit pour vous une lumière, C'est vrai, une lumière. Une lumière. Parce que lorsqu'on vous dit, on vous explique comment Sadiba est mort, non seulement vous n'allez pas le croire, voilà, cousine Mariam, non seulement vous n'allez pas le croire, mais je pense que je ne viendrai pas, je ne reviendrai pas vous relater ce qui est arrivé, les derniers propos de Sadiba. Parce que j'ai dit dans mon direct que quand il est parti, on l'a mis dans le sac, tout ça, il est parti. Mais il paraîtrait qu'il a parlé. Et c'est ce qui m'étonne un peu. C'est ce qui me surprend aussi. C'est ce qui me rend très nerveux par rapport aux propos, aux derniers propos. Ce qui est arrivé à Sadiba, a dit Ankle Dibema. C'est ça. Est-ce vrai? Donc, je vais pas, vous avez vu le communiqué. Je ne vais pas lire le communiqué parce que vous avez vu le communiqué. Bebra, tout le monde a vu le communiqué. Si vous voulez, je peux le lire. C'est le communiqué du parquet ici. Voilà. Et aujourd'hui, je n'ai pas dit autre chose, mais le petit, je ne pense pas s'il ira en France. On m'a donné raison lorsque j'ai dit on attendait l'arrivée parce que c'est l'arrivée de Spartacus, ce n'était pas pour que Doumbouya voyage. On me fait comprendre ce soir l'arrivée de Spartacus, c'était pour que cette information soit divulguée. Et c'est regrettable pour sa famille parce que vous ne verrez plus jamais son corps. Vous ne plus Aïtena Sadiba corps parce que ils ne vont jamais se permettre de vous remettre ses corps. Je le dis bien à préciser. N'y a fait le comment mais don même ben mandin ka kofala en demandant nous. Je voudrais profiter. Demain, il y aura un direct où je vais aligner les généraux. Général Aminata Diallo. Personne ne sait là où elle est, Général Aminata Diallo. Personne ne sait là où elle est. Vous connaissez. Voilà, cousine. Aminata Diallo, vous connaissez très bien Aminata Diallo. Oh, il y a trop d'informations, il y a trop de... On m'a relaté tout ce qui s'est passé les derniers temps d'Aminata Diallo. Aminata Diallo, cette belle dame, vous connaissez Serge, Général Aminata, cette dame qui est devenue... On l'a détruite en utilisant des gens pour utiliser ses photos, ses nudités et tout. Moi, Benito, je le répète encore pour cette information, je ne viendrai jamais dire ce qui n'est pas vérifié et clair. Je ne me résume pas du fait que les gens m'étaquent. Je l'ai répété ce soir. On dit Benito l'avait dit le premier. Non, je ne cherche pas la place. C'est mon pays qui me fait pitié, mon pays. Des gens qui n'ont pas le CE, le certificat d'études élémentaires. Les gens qui n'ont pas le CEP. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui me fait pitié, ce sont des soldats rwandais.
Écoutez très bien, des soldats rwandais. Je dis bien des soldats rwandais. Le Rwanda, à plus de combien de mille kilomètres, sont devenus aujourd'hui les gardes du corps de Mamadi Doumbouya. Avec tout ça, toutes les dépenses des forces spéciales, c'est 1300 milliards. 1300 milliards. Chaque soldat rwandais est payé entre 20 et 30 000 dollars par mois. L'argent du contribuable guinéen. Mbou dit la Guinée Odi. Tout de suite là, il n'y a plus d'entrée à Kaloum. Est-ce qu'il y aura boulot même demain? Il n'y aura pas de travail demain. Est-ce qu'il y aura boulot? Moi, je ne rêve. Mais voilà les derniers propos de Sadiba. On m'a relaté. Si vous voulez, là, venez prouver le contraire. Je dis bien, remettez le corps de Sadiba pour l'autopsie. Et c'est vrai. Je dis et je le répète. Venez me dire le contraire. C'est ça même ma chérie, c'est tout. Wallah, il me redit Allah. Parce que je vais vous dire la vérité. On m'a donné raison de fait, comme je l'ai dit ici, que tous les ingrédients, je dis bien tous les ingrédients, la guerre civile, sont déjà en Guinée. Il n'y a pas un ingrédient. Quand tu veux faire la sauce d'arachide là, tous les ingrédients, viande, tomate, oignon, tout ce qu'on met dans la, tout est fin prêt. Mais ne les kafranyana, allô, maninka demen kafa, parce que ce n'est pas un soussou qui l'a tué, ce n'est pas un mal, un guerrier qui l'a tué, ce n'est pas un peul qui l'a tué. C'était qui? C'était des militaires. Vous vous exprimez à Malinké. Tout le monde parlait à Malinké. Il n'y avait que 4 personnes qui ne comprenaient pas. C'était des Rwandais. 4 personnes étaient Rwandais. 4 personnes. Dans les 2 jours qui vont venir là, les 2 jours qui vont suivre là, vous allez entendre qu'il y a 2 militaires qui sont morts. 2 soldats. Je le dis encore. Je le répète encore une fois. Retenez-le encore, gardez encore. Et c'est vrai. Excusez-moi, je vais aider un peu. Est-ce que je vais aider un peu le faux compte là? Permettez-moi, excusez-moi un peu. Est-ce que vous comprenez? Sadiba là, après Sadiba, c'est demain ou après demain, vous entendrez qu'il y a 2 militaires qui sont morts. Retenez ça aussi, gardez, notez. Si ce n'est pas eux qui vont déclarer les morts, c'est que c'est les familles de ces 2 militaires-là qui vont parler de disparition de leurs enfants. Retenez, notez et gardez. Voilà ce qui s'est passé. Et je l'avais dit, quand ils sont arrivés, ce n'est pas aux escaliers. Sadiba est mort au palais Mohamed V, au PM5. Chambre 4. Il n'est pas mort quelque part. Sortez son corps. Aya la bon, nina la boulou. Sortez. Aya Sadiba sous la bo, s'il a des yeux. Aya Sadiba, je dis, Aya Sadiba la bo, nina la boulou. Nina la boulou. S'il vous plaît, prenez le corps de Sadiba, remettez à ses parents ou donnez pour l'autopsie. Ah d'abord. D'abord, il n'est pas mort. Il est mort avant la fête de Tabaski. Il est mort avant la fête de Tabaski. Venez me dire le contraire. Je mets quiconque à défi. Aïe la communicant, donnez les vraies informations de vos communicants. Il est mort avant la fête de Tabaski. Avant que Doumbouya n'aille en cancan.
Saliba était déjà mort. Avant Kaiwa, pour la fête, la Mamaya. Il est parti, il savait. Et pourtant, toi qui m'écalons, et quand il l'est, je ne voulais pas qu'on discute. Frère Tunkara, on t'a fait nous discuter. Tu es sur ma page. Mbarafina, tu es Tunkara, je suis Sissé. Tu es sur ma page. Frère Tunkara, ne tu n'as que l'infouniana, aïe tu connais, aïe tu pe connais. Moi, je respecte mes abonnés. Et que combien manque respect là ce soir-là, tu es plus âgé que moi, c'est vrai. Tu es plus âgé que moi, tu n'as le Audi. Même venant qu'à même fouiniana Audi, je maintiens. Ibaragne, Mbado la Guinée sans haut sang, il faut porter plainte contre moi. Il est le cancli. Moi, je t'ai pas appelé. Et quand mon frère Tunkara, Mandine, Sadiba est mort, c'est un officier supérieur de l'armée guinéenne. Tout, il a formé des gens. Il était chef d'unité. La seule erreur qu'il a commise, c'est le fait qu'il s'est associé à ce monsieur. Il est bandé qu'il y aura. Ne y donne ni dit. Et quand on, il va y avoir une scène par les pins, mon ennemi. Il est bafonné. Toi, tu me dis. Que quand Doumbouya a appris, que Doumbouya a monéra, que Doumbouya en colère, qui l'a tué, que quand Ketike, que Doumbouya, que frère de y, force spéciale tellement, que Doumbouya a même un que monéra, quoi monéra. Il est au franien. Moi, je te dis que c'est faux. Il est connu, que non, qu'il est calon, que non. Je n'ai pas besoin, quand on le fait, ce n'est pas un manque de respect. Je n'ai pas besoin de tes informations. Toi, tu dis qu'il y a ton jeune frère. J'ai dit, donne-moi le nom de ton jeune frère. Que non, que tu ne peux pas. Donne-moi le nom de ton jeune frère. Je vais donner ça à quelqu'un dans les forces spéciales. Tu vas voir si c'est vrai ou faux. Tu comprends? Donne-moi. Je vais récupérer la photo de ton jeune frère dans la Waïman. Ne le kafouyana. Non, c'est pas parce que je suis assis derrière mon téléphone. Donne-moi le nom de ton jeune frère qui est dans les forces spéciales. Je vais l'envoyer à quelqu'un. Je te dis. Iba to demande la photo de la Waïman. Ne le kafouyana. Ni maqué. Ya douma. Ni waloy bilet là. Iba to douma. Tu es là, nda di moma. Le lendemain, je t'envoie la photo de ton frère. Donc, Doumbouya se met en colère par rapport à quoi? Et puis, je suis Mbarito tapéant pour chercher qui tu es. Mbarito tambaralawa modoma. Il va enquêter pour savoir qui tu es. Si tu es membre de CNRD, Mbila capture d'écran, Mbila numéro du monde, Mbila télé là. Mbila quelle télé là, Mbila café. Et puis, Mbila café, je répète, Mbila même frima, Mbila le malobaliaro. C'est ce que je te dis. Nenitori, m'kontem malobali, parce que nenitem malobali dit, même malobali et malobraba, et maloyala. Comment tu peux dire que Doumbouya a piqué crise? Doumbouya a piqué crise? Doumbouya s'est fâché, hein? Hein? Doumbouya monera, Doumbouya énervé là, Doumbouya abra énervé, quoi, abra énervé. Toi, tu étais là-bas. Quand Doumbouya s'est énervé, Doumbouya du sobra, Doumbouya abra monnaie. On tue un officier supérieur de l'armée guinéenne, gratuitement. Un officier supérieur. Ce n'est pas important. Il n'a pas la mbarafouyana. Je le répète, mbarafouyana. Tu gardes mes propos en bas de Coran qui tu portes plainte contre moi. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as appelé. Kili. Wallahi Bouba Samsam. C'est elle qui m'a appelé. Kono Benito Ikalon Doumbouya a appris, il s'est fâché. Il est nerveux. A trafic à Molmadimi. Les gens ils ont enlevé les armes à côté de lui. N'importe quoi. Qui a fait arrêter Saliba? Hein? Qui a fait arrêter Saliba? Qu'est-ce que Saliba a fait? Saliba a demandé la permission. Il a appelé Morissanga pour dire je rentre pour des questions familiales. C'est Morissanga qui a autorisé Saliba à rentrer. Morissanga. C'est lui qui l'a autorisé. Et il y a des diplomates qui rentrent sans demander, sans le dire à Saliba. Hein?
Il y a des gens qui rentrent ici sans dire à Sadik, sans dire à Maurice Sandra. Mais pourquoi Sadiba? Et Sadiba savait très bien, il lui a dit, je rentre. C'est lui qui a autorisé le monsieur à rentrer. La seule faute de Sadiba, c'est Doumbouya qui lui a demandé. Il paraît que tu es en contact avec Alpha Condé. Il dit qui? Il dit le président Alpha Condé. Il dit, je n'ai même pas son numéro. Il dit, non, quelqu'un m'a dit, au niveau de l'ambassade là-bas, à La Havane, que tu parles avec Alpha Condé. Et il a dit, au niveau de l'ambassade, il dit oui, au niveau de l'ambassade de là-bas, là où tu es là, quelqu'un me dit que tu parles avec Alpha Condé. Il dit donc, tu m'espionnes, tu ne me crois pas. Ça, c'est leur conversation. Il dit, je te le dis. Et donc, tout qu'on fait, on va en parler. C'était fini. Moi, je te dis, il parle avec Alpha Condé. Tu parles avec Alpha Condé, c'est quelqu'un. Et moi, je crois à ça. Je crois à ça. Voilà tout ce qui se passe. C'est le seul mal qu'il a commis. Il dit, je ne parle pas avec lui, je n'ai même pas son numéro. Et c'est comme ça, il a coupé, il s'est tué. Sadiba est venu. Bon, je laisse tout ça là. On laisse tout ça là. Je reviendrai sur Aminata Diallo parce que Aminata Diallo, c'est autre chose. Aminata Diallo. Montrez les photos d'Aminata Diallo. Montrez-moi les photos d'Aminata Diallo. Malala, je ne l'ai pas vérifié. Dites aux gens qu'Aminata Diallo n'a rien. Dites aux gens que général Aminata Diallo n'a rien. Ya, il est malade. Ya, il est malade. Selon ce qu'on m'a dit, on dit qu'elle est malade. Aminata Diallo est malade. Aminata Diallo est malade. Qu'est-ce qui est arrivé à Aminata Diallo? Aussi mal. Donc, bref, chers frères et sœurs, le général Sadiba a été maltraité. Il a perdu un œil. Un œil, Kira. Qu'on vous montre sa photo, qu'on aille voir service funéraire, aller à Finkel à l'Ayanté. Aller à Kété. Ayanté. Ayanyaï, c'est bandé. Ici, là, ils ont enlevé son œil. Lorsque le monsieur me dit, il m'a bien dit, il dit, à toi, Wanité, ni Sadiba Boraro, ce qui est fait de toi là, Diamanyaï, Diamanya Oteni, depuis Amnadiaoro, Aïkabla, Picop, Konanya Tiraini, montrez le corps de Sadiba. Ta photo, le visage montré au Guinée, ni si ici n'est pas bandé. Et voilà ce qui s'est passé. Vous l'avez frappé. Non, Aminata Diallo est gravement malade. C'est vrai, je le confirme. On me dit qu'elle est gravement malade. Donc, on va laisser comme ça. Grand frère Escanté, mon champion, Nkerentara, vous l'avez frappé. Montrez son pied gauche encore. Je dis les parties et que quelqu'un me dit le contraire. Montrez son pied gauche. Qu'est-ce qui est arrivé à son pied gauche? Vous l'avez brisé. Non, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cette torture? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Doumbé a dit qu'il n'a plus besoin de lui. Donc c'est comme s'il avait dit non, tuez-les. C'est comme ça? Tuez-les. Et après, vous avez dit si Sadiba veut sortir dans cette situation-là, qu'il incrime le professeur Alpha Condé. Yo! C'est ce qu'il voulait. Il paraît qu'il y a un avocat, vous avez pris des gens en France, des gens qui doivent défendre le CND
contre Alpha Condé pour une tentative de déstabilisation de la Guinée. Qu'est-ce que vous voulez? Chers frères et sœurs, ils ont dit à Sadiba qu'ils ont des documents faits, écrits. Sadiba n'a qu'à signer. Est-ce vrai? Sadiba n'a qu'à signer que ce qui s'est passé entre Alpha Condé et lui. Sadiba n'a qu'à reconnaître qu'Alpha Condé l'a demandé de tentative de coup d'arrêt. Sadiba n'a qu'à reconnaître. Selon eux. Parce que Kounyafo, pour sauver les deux personnes-là, ni Mafo, ils vont les tuer. Donafo l'aller. Vous avez fait des documents. Sadiba n'a qu'à signer qu'il collabore avec Alpha Condé. Sadiba n'a qu'à signer que Alpha Condé tente de déstabiliser la Guinée. Sadiba n'a qu'à signer, je dis bien, hein, Sadiba n'a qu'à signer en part du document qu'il a reçu un montant d'Alpha Condé pour recruter des militaires au sein du Bata. Voilà l'affaire de Bata. Assoyez-vous, ouvrez vos bouches, assoyez-vous. Sadiba n'a qu'à signer que Alpha Condé a donné de l'argent pour recruter des gens au sein du Bata. L'unité a bien été indexée. Sadiba dit, et c'est ce qu'il a dit, c'est son dernier mot. Certes, j'ai trahi le président Alpha Condé. Certes, parce que c'est un intellectuel. Certes, il le dit, il y avait le sang partout dans le sang partout. Il a fait 3 jours. On dit, bon, ça c'est pas, j'ai pas vu. On dit, il a fait 2 ou 3 jours comme ça, sans manger, sans boire. Wallah, salut, Neni va sauter. Petit, on a relaté. Le petit a arrêté là. Les soldats rwandais. Anoumaninga de Vla, Aïsadiba Makoussala. 2 soldats guinéens et les Rwandais sont en train. On demande à Sadiba de signer les documents. C'est les documents-là, on allait mettre sur un communiqué, c'est-à-dire on envoie à la RTG, on lit, voilà ce qu'Alpha Condé, tout, on incrime Alpha Condé. Voilà pourquoi j'ai fait ce petit direct. Sadiba dit. Je prie alors que le bata le fait. Et Sadiba dit, certes, c'est comme ça, certes, je dois des excuses au président Alpha Condé. Certes, je dois des excuses au président Alpha Condé. Mais je ne vais jamais dire ce qu'il n'a pas fait. Ça, c'est hein? Je n'ai jamais été en contact avec lui depuis le coup d'État. Je ne parle pas avec lui. Je préfère mourir dans la paix. Mais il y a péché entre le président Alpha Condé et moi parce que j'ai été formé. J'ai reçu des formes, j'ai eu des avantages pendant sa gouvernance. À mon tour, je ne lui ai pas payé. C'est fini. Certes, je dois des excuses au professeur Alpha Condé. Certes, je dois des excuses au professeur Alpha Condé. Certes. Voilà. Je ne dirai pas ce qu'il n'a pas fait. Sadiba. Moi, je me dis, j'ai dit carrément, nous, moi, en tout cas, on l'excuse, on accepte ses excuses. Il n'a pas dit, il n'a pas eu la chance de le dire, mais on l'excuse, nous, on l'excuse. On l'excuse, on le pardonne. Parce qu'il reconnaît son tort. Oh. Attendez, moi-même, je ne vous comprends pas. Ah, excusez-moi, ne répondez pas aux gens sur ma page, s'il vous plaît, ne répondez pas. Pardon, s'il vous plaît. Général Sadiba, repose en paix. Repose en paix, Général Sadiba.
Non, mon frère, il faut reposer en paix, Général Saliba. Nous, on te pardonne. Kabal, Dupuis, ça va. On te pardonne, Général Saliba. On te pardonne. Tu as reconnu, vous avez abandonné le professeur Alpha Condé. On vous a trompé sur toute la ligne. Général Idi Amin, tu es responsable de la mort de Saliba. Général Idi Amin, Général Idi Amin, ce n'est pas Bala Samoura. Bala Samoura est le patron de la justice militaire. C'est à son niveau se trouve le parquet. Le parquet. Le parquet. Vous comprenez? Et celui qui a signé l'acte de dépôt de Général Saliba, c'est Amara. C'est Amara. Amara, celui qui n'est pas allé à l'école, qui a signé l'acte. Amara. Va Amara. Saliba s'est associé à Doumbouya après le coup d'État. Je l'en veux pour ça, d'accord. Mais c'est un soldat, il a servi ce pays. Est-ce que vous comprenez? Il a servi ce pays. C'est un homme honnête et sincère. Un intellectuel. Personne ne va le nier. Il a les diplômes universitaires, il a les diplômes, il a des satisfaits des Nations Unies, les satisfaits de l'Union africaine. Il a participé à beaucoup de. Oui. C'est quelqu'un, un bandit, un délinquant. Vous avez écouté Takana à Kankan. Il a dit aux gens de Kankan. Si vous ne sauvez pas, vous n'aidez pas Mamadi, vous resterez 300 ans sans avoir le pouvoir dans ce pays-là. Il parle du Mandé, il ne parle pas de Doumbouya. Ils adressent au Mandé. Takana là, ce que Takana a dit là, ce n'est pas faux. Voilà ce que nous sommes en train de montrer, l'exemple que nous sommes en train de montrer aux uns et aux autres. Vous pensez que si on arrive à récupérer ce type-là, même moi, Benito, qui est Mandingue là, je n'accepterai pas pour le moment le pouvoir des Mandingues. Moi. Je n'accepterai pas d'abord le pouvoir des Mandingues. Je n'accepterai pas. Certes, je dois des excuses au professeur Alpha Condé. Mais je ne dirai pas ce qu'il n'a pas fait. Je ne suis pas en contact avec lui. Depuis le coup d'État, jusque je ne suis pas en contact avec lui. Donc, aujourd'hui, je me limite là. Saliba a parlé parce que j'avais dit qu'il n'avait pas parlé. Il a bel et bien parlé. Il l'a dit. Et puis il a béni. Que Dieu me pardonne. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Il s'est adressé à elle. Que Dieu vous pardonne, vous qui êtes en train de me tuer. Que Dieu vous pardonne. Je sais que je vais pas m'en sortir. Il y a des images, tout est là. Mais ce qui me fait mal, et je vais terminer par ça, s'il vous plaît, excusez-moi. L'armée guinéenne, Saliba est mort, ça c'est fini. Il est mort, hein. Je suis juste en train de relater ce qu'on m'a dit. Je n'étais pas présent, hein. Je le répète encore, je n'étais pas là-bas. Mais celui qui était là-bas, là, il dit, voilà. J'ai vu quand même la vidéo de son arrêt, comment on l'a envoyé. Mais je ne savais pas qu'il avait perdu un œil. Je ne savais pas. Mais je n'ai pas fait attention aux propos. Je fais pas attention, je n'ai pas fait attention aux propos du monsieur qui m'a... Il dit, « Atowaniti, na bolaro. » Il sera handicapé. Manyaye. Ntou manyaye. Ya. Atresaku me gron djelino tumbraboida. Anya le brateoli. Il ne l'avait pas donné à manger. Ni à boire. Il est mort, je le dis. Et je mets quiconque à défi. Il est mort avant la fête de Tabaski. Pas après, avant. Doumbouya est parti. Vous avez vu Doumbouya, sa mine. Vous avez vu, il était assis. Il sait très bien. Il ne voulait pas que Spartacus rentre.
Et Spartacus en a fait trois fois la demande. Il ne voulait pas. Je vous ai déjà dit ça. C'est quand il a su que le type est mort, il a dit à Spartacus de rentrer. C'est quand Spartacus est rentré, il a expliqué à Spartacus ce qui s'est passé. Et quand M. Tunkara vient me dire que Doumbé est en colère, pourquoi Saliba est mort, c'est un officier d'une respectabilité. Et pourtant, on l'a arrêté avant que tu ne pars à Kakan. Il est mort avant ton départ. Qu'est-ce qu'on veut me dire par là? Vous avez sacrifié l'homme. Aujourd'hui, ce soir-là, ça tire à Conakry. Moi, ça ne m'impressionne pas. Hein. Les tirs-là ne m'impressionnent pas. Voilà. Vous avez toutes les manières pour distraire les gens. Les tirs que moi, j'entends comme ça ne veut rien dire. Vous voulez qu'on s'occupe de ça. Vous voulez envoyer le débat par là-bas. Moi, je ne viendrai pas parler de vos tirs-là. Non, 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 non. Parce que j'ai la ferme conviction que le salut viendra de quelqu'un qui est juste à côté de toi. Ça, j'en suis sûr. Vous comprenez? Et c'est dans ça là, on veut que Selou rentre. Entendons, Selou n'a qu'à. Non, l'autre m'a dit. Comment il s'appelle là? Le tournoi d'Interstate. Il m'a dit. Il m'a dit carrément, il ne s'est même pas gêné. Ni Selou n'a randa la djoulo, aéroport l'anda m'naka la djoulo, foni mosara. J'ai dit à Boy, oui, il doit venir, il doit répondre, allez qu'à Avion Maïra. Lorsque j'ai simplement dit, qui avait reçu le chèque qui a été, les 25 millions de dollars, qui avait pris le chèque? Ah, ou toi, il faut laisser ça. Non, dis-moi, c'est simple. Hein? Oh, excusez-moi. Voilà. Hein? Parce que comment aller? Excusez-moi. Donc, chers frères et sœurs, Andidaya, Akuma Bédissé, ne répondez pas, hein, je l'ai déjà bloqué, pardon. Est-ce que vous comprenez? Ne répondez pas à Laurent Poucault, ne répondez pas. Voilà. Voilà. Ne répondez pas. Donc, Mandinka le folie al Benin, al Befou, car Ebrania et Boutan, il y a la Kabutu. Car le mot cité dans les mansabilles, appelez-les. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire dans les 2 jours-là encore, Massabla. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Massabla, où tu es petit vaurien, tu es flanqué en Allemagne, comme Mandé. Ah, Monsieur Koroba, lui, que l'Europe qu'il faut, qu'il faut, non, Mandé, quand, Mandé, qu'on l'a fait. Voilà, on a éliminé un officier Mandé encore. Ce n'est pas le premier. Il y a eu beaucoup de jeunes Mandé qui ont été éliminés. Moi-même, Bessaraté. Peut-être qui, à part le Saint-Ferre, tous ceux qui sont morts là parmi les militaires là, Abbé Manikadé. Abbé Manikadé. Voilà. Donc, bonne nuit. Jeanne Saliba, on te pardonne. Laurent Poukou, j'étais bloqué, mais je te le dis. Moi, je l'ai dit dans mes directs. Je ne le soutiens pas. Hein. Mais quand la mort arrive là, la façon dont il est mort, je suis contre ça. Tu as compris? Et ce n'est pas un traître. Mais ils ont facilité la validité du coup d'État. C'est eux qui ont facilité. Ils ont été tous surpris. Comprenez? C'est ça, chaque jour est une vie. Chaque jour est une vie. Moi, je vous dis la vérité. Wallah, wallah, salut. Que Dieu me pardonne. Vous qui êtes en train de me tuer là, que Dieu vous pardonne. Et c'est fini. Et quand moi, on me dit que Doumbouya est fâché pour ça, ça me fait rire. Fait rire. Ah. Doumbouya, je pense que je ne sais pas comment tu seras candidat dans ce pays-là.
Je ne sais pas comment tu seras candidat dans ce pays. Et puis, il y a une campagne qui est haute Guinée, comment dédoumailler. Moi, j'ai envie de voir ça. Maintenant, j'ai envie de voir les gens qui viendront autour de toi pour dire non, non. Mais il faut tenter de fermer les partis politiques. On dit non, bon, Kafogo, c'est vrai. On dit, tu as appris Alpha Condé, Morsi Mabo. Quand tu as appris Kassori, les sous-sous ne sont pas sortis. Que quand tu vas, tu sais le bien, tu vas prendre sur le fous tes barreaux. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu as appris Alpha Condé, Fous Mabaro, c'est vrai. Kassori, les Kassori, Fous Mabaro. Hein? Hein? T'as dit que Damaro, la forêt n'a pas bougé. Que t'as dit c'est la forêt. Oui, c'est vrai. C'est les gens, je dis bien, c'est les gens qui t'ont aidé à ménager ces régions-là. Des escrocs dans toutes les ethnies. Non. Dans toutes les ethnies, il y a des escrocs dedans. Ce sont ces escrocs-là qui t'ont aidé, qui ont facilité pour que tu puisses prendre les gens-là et puis foutre tes barreaux. On connaît comment ça s'est passé. Mais ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Mbara, c'est ce que Ismaël répète comme ça. Le coup de ta main, ses enfants. C'est-à-dire, il dit ici, en jeune à Londres, ici, il m'a tenu, comme Samuel Do, tu es en train de demander pardon. Pardon à tes propres éléments. C'est-à-dire, ici, tu les regardes. Et il dit, mais qu'il y en a. On dit, traite, il dit. Tes petits là, ceux qui sont avec toi, Adodilassi, en genou là, Ignabenama, a dit Toloté, Alaï Gosamildo, a dit Toloté, a dit qu'il était, Nama Kenete. Ne les cafouillena. Ne moment foyer. C'est les premiers forces spéciales là, les enfants, les premiers, ou les cafouillens. Il a bantou du l'euro. Ce qui me fait mal là, mal à les colons. On dit non, ils vont t'abattre. Oui, parce qu'il y a abattu pour ne pas que tu parles. Mais petit, tu vas parler. Bonne nuit à tout le monde. Général Sadiba, repose en paix. Ton entraînement là n'a fait cahier. Qu'on vienne parler de décoration et de général d'honneur et tout ça. Qu'on vienne, hein? C'est ça, grand-père, qu'on les ignore. Mais voilà, quoi, bah, t'ambiter. Parce que. Mola fola wanya daba o le kono ko fuste baro o ninka ba kere entre kumala merlendo tumla entre cette c'est le nanda bla du le fuste baro en kalfa konde mina fuste baro alfa konde bala kroya des trucs comme ça là et pourtant lui il a toujours voté pour le RPG est-ce qu'on a nafia sur kono kasore kasor na la ce sur le bora ben Damaro la randani sous Dombora. Eh, hey, mol brassé, politicien corolou, mol brassé, en jeunesse le corps. Ça, c'est la jeune, ou d'où qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on donne une lémence à la ou d'une, donne une telle attra, qu'on donne une mance à quête. Une telle attra, qu'on donne une mol, prendre les papas des gens, les mettre en prison 26 mois, tuer les enfants des gens, et puis tuer les officiers comme ça. N'était à la trandoni, ni même bon, ni connaître les commandes. À la comporter, t'as. N'gaye, qu'on donne les mansala, que toi aussi, il faut aller gérer le pays. N'importe quoi. Aïe, bonne nuit, Kérim. Repose en paix, mon général. Hein? C'est ça. Ni même qu'au temps de la falante, fousbake. Non. M'bala ça pour tirer la Guinée-Calue. Voilà. Thank you.